Allez, première consigne, si vous trouvez des chatons, ne leur donnez pas de lait, à moins que vous vouliez de la crème fouettée au dessert. Deuxièmement, ils sont trop petits pour l'antipuce, sauf que moi, j'ai pas eu le choix, ils avaient beaucoup, beaucoup de puces. Plus de puces que dans une navette spatiale. J'ai pris une pipette pour adulte et j'ai divisé la dose en trois. Juste quelques gouttes, ils ne sont pas morts, hein. Et ils ont pu enfin respirer un peu. Ils vous en seront vraiment reconnaissants. Mais quand je dis vraiment, c'est... Doucement, chut. Allez, stop, arrête. Charlie, c'est bon. Maintenant, il faut que tu descendes, d'accord? Stop, non, non, aïe! Tu meurs! Pas sur la bouche. Attends, t'es pas homosexuel quand même? Arrête! C'est bon, on arrête. C'est fini. Allez. S'il te plaît, arrête! S'il te plaît, Charlie. Allez, stop. Là, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Terminé. Allez. S'il te plaît. Allez, on arrête maintenant. S'il te plaît. Les gens te regardent. Attends. Oh, s'il te plaît. Allez, stop. Aouh. Aouh. Mais mon nez ne se mange pas. Ah, tu veux t'aider. Tu me fais des chatouilles. Allez, c'est bon, on arrête. Allez, Charlie. Top, hop, 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 hop. Il veut pas que je le lâche. Il me griffe. Allez. Allez, top. Moi aussi, je t'aime. Allez. Pouh. Quelle horreur. Bon, j'adore ça quand même. Regarde, il revient. Il veut venir. Il veut venir. Il est incroyable. Mais t'es en rute, c'est pas possible. Oh. Non, 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 non. Non, tu montes pas sur moi. Attends, je crois qu'il est en rut. Attends, il a un mois, il a deux mois le machin. Tu peux pas être en rut à deux mois. Oui, c'est le petit miaou de la rut, ça. Hé, qu'est-ce qu'il fait? Non. Oh, t'as vu ça? Il a réussi à sauter. Waouh, t'es trop fort. Tu me fais plus rire. Avec tes petites griffes de merde. T'es beau. T'es beau, je t'aime, mais quand même. Alors certains vont me dire, mais ils ont des puces, pourquoi les avoir traitées si c'est pour les laver après? Bon, déjà, je les ai traitées une semaine avant le lavage, hein. Et deuxièmement, la pipette n'agit pas en surface, mais dans le sang. Le produit passe sous la peau de l'animal pour se diffuser dans le sang. C'est quand la puce se nourrit de ce sang contaminé pour elle qu'elle meurt. On va donc nettoyer ses sacs à puces, mais mortes. Ça va, Richard? On va faire la douche? Passons aux choses sérieuses. Ils sont dégueulasses. La maman a su baiser. Ah oui, s'occuper de ses petits, alors là, hein, comme la mère de Naël, quoi. Ah, voilà la technique parfaite. On prend le bébé de façon à ce qu'il ne puisse plus bouger. Et accessoirement, quand on est moins con que son mec, on prend le moins turbulent. On le retourne sur le dos pour pas qu'il puisse s'échapper facilement. Attention, c'est important. On le mouille et on le savonne. Ah oui, pause. Et si vous vous demandez quelle race c'est cet animal, c'est un mokcha. Sa mère, c'est une chatte. Et son père, un mogwai. Un mogwai, c'est ça et pas ça. Bien entendu, c'est un shampoing que l'on trouve une blinde chez tout bon veto qui se respecte. On sèche le bidou et on passe au suivant. Ton tour après. Tu feras moi le kéké. À présent, c'est Dr Magouille qui va tester la technique du shampouinage que sa femme vient de lui apprendre. Déjà, je lui parle tout doucement pour l'amadouer un peu. Mettre le passage où j'ai... N'aie pas peur. Petit chat, t'enlèveras les roues, bien sûr. N'aie pas peur, petit chat. Oh. Attends, attends. Bien entendu, je prends l'animal pas dans le bon sens, hein, de la démonstration. Bien entendu, j'ai le chaton le plus turbulent des deux, hein. Un petit peu de savon, hop. Faut que ça mousse. Et là, je me fais déjà agresser une première fois. Et puis une seconde. Et une troisième. Bref, mon bras devient un champ de bataille.
Bon, je suis un homme, je n'ai même pas crié. Charlie, arrête, tu vas te faire mal. Ah, tu me fais mal. Je vais être obligé de lâcher. Charlie. Il va te mordre. Oh, oui, oui. Mais je peux pas le... Arrête, Jean. Oh, putain. Oui, bon, bah là, je suis pas en titane non plus. Hein. Ah, ces petites bêtes sont pas costauds, mais ça fait du dégât. Hein. Ça peut même détapisser. Pour te dire, une fois que c'est fini, testez son humeur dans un petit pas de danse. Vous verrez tout de suite s'il se sent mieux après sa douche. Voilà, vous avez vu ce qu'il fallait faire et ne pas reproduire. Et un dernier conseil, vérifiez d'avoir tous vos vaccins à jour. On ne sait jamais. Petit avertissement, enfin gros avertissement, hein, qui a son importance.